bienvenue dans votre émission Reporter. Maman Momi Sango, Lelo Ameme Libino, l'un des combattants de l'IDPS, moi Namboka, fils Moukoko, à qui nous disons bonjour, monsieur fils Moukoko, comment bon. Allez-vous? Ça va, moi ça peut me réveiller. Temple de la vérité, où il y a siège, il y a association na Kambaka, na Kautia IDPS, armée des bâtisseurs qui sécurisent. Donc, il y a un la meilleure vue dans la Yona, nous, dans la téléspectateur, nous sommes à ce moment. Merci. Fils Moukoko, un des combattants de l'IDPS, un bisika auto soami. Monsieur Fils Moukoko, arrivé à Pape na Kautia démocratique du Congo, est-ce un impact ni n'est pas un problème ou état de l'Organisme? D'abord, na kopé sa oba bengi boye ibola na pape. Donc voyage papal oyo visite na ye na République démocratique du Congo. Eza na oba bengi signification nene, c'est-à-dire le Congo est en guerre pendant beaucoup d'années. Pape oyo za ambassadeur ya bateau bazalara na pasi ndenga za ambassadeur ya Ukraine ndenga pe ya za ambassadeur ya ba peuple indigène ya ba Amérique latine et consort. Il est venu au Congo parce que na Congo ba guerre imbécile et commettre ba bengi ba veuve et commettre ba bengi ba orphelin et commettre ba bengi ba violence faite à la femme. Donc d'abord à Yepé Koussa la Oba Bengi, consolation dans la population congolaise, surtout il y a Est et il y a Congo. Et deuxième raison, il y a visite à Pape, Ezake, Pape a yé na Congo, pour na kosenga ba Congolais, pour Congo, Eza Oba Bengi, pays solution, par rapport à Makambourou, Italie, réchauffement climatique, sans Congo. Mukileko Zika. Pour votre information, Rebecca, forêt Amazonie ya Brésil, ils ont déjà exploité la superficie à République Suisse. C'est-à-dire comme il est faible. Le monde compte pour na maîtriser le réchauffement climatique na Congo. Papaye Awa, d'abord, c'est ça, c'est aussi à part. Étiquette né à gardien de la religion, à Zappé chef d'État à Vatican, c'est Zappé ou avec ma fruit à la diplomatie, à président Félix Tshisekedi. Donc, à Oyambaye comme gardien de la religion, comme peut homologue Naye. Ok, monsieur Fils Moukoko, parlons de la vie politique en République démocratique du Congo. Critique sur la vie politique en RDC. Et tout ça, mon allélo, bah, parti politique et beau thème bien et belé le coup. Est-ce qu'il y a un vraiment ils ont causé malcroissance dans cadre de la vie politique en Burkina Faso? D'abord, malcroissance dans cadre de la vie politique en Burkina Faso, ils ont causé à Oba Bengi attitude à bas politiciens, c'est-à-dire Baloba. Donc ils ont à cause à Oba Bengi ndenge ba homme politique congolais bazozwe la politique. Politique d'abord les a ba bien la gestion de la cité. Mais na Congo ba to comme kozwa yango neti eza ke l'occasion pour devenir riche. Vous comprenez? Yango nde ezo sala ke malcroissance koka kozala. Mais koloba ke malcroissance na vie politique ya Congo za di na ba bengi multiplicité ya ba parti politique, ça je dirais. Est-ce que c'est important que ba parti politique ya la plus de 1000, plus de 500 partis politiques na kasa boka mon? Nous avons lité ti nga ba benga nga ti seke ya Nouveau Testament. Père na nga politique a lita po na ba bengi multipartisme intégral, c'est-à-dire total. Mobutu avait proposé un multipartisme à trois ou à peut-être quoi nous allons un peu minaire et désintéressé dans la politique. Ah, oui. Le multipartisme à trois, Mobutu a proposé ça. Ils allaient un père, namoni ou la type maréchal ou un père, UDPS, na Iferi à Ngouz, Carliban de place, de Baba Kiung Wauta, ba ministre Christian Mwando Wauta. C'est-à-dire, et puis que
Mobutu proposait trois partis politiques. Mais Tshisekedi avait dit, la vie politique, comme ça concerne tous les peuples congolais, on ne peut pas les limiter. Mais il y a un problème, on peut avoir 10 000 partis politiques. Mabé ou les autres, ça m'a dit que les partis politiques sont battus par rapport aux tendances idéologiques. Ils sont les libéraux, les tibis sont des pestes social-démocrates, PPRDP est social-démocrate, INC est social-démocrate. Ils sont libéraux, est-ce que ce sont des verts, des écologistes, ce sont des communistes, alors si ils ont la bonté, ils ont bouloué. Donc, ce qui arrive, même en États-Unis, il y a des tendances républicaines et américaines, mais ce qui est un parti démocrate, il y a des partis, où ils ont sa famille. Ils sont dans ton comité. Mais aussi tu as avancé parce que tu as là qui na FCC cash au famille à président honoré Joseph Kabila puis union sacrée au y a président Félix petit à petit bon mona que la vie politique na Congo et kozala un jour na image net ya États-Unis donc mal croissance na oba bengi si vie politique ya Congo. Ils ont dit na ba homme politique au bazolo ba na peuple de ma ngola ki sake mal croissance to songi na kota ba homme politique c'est que ngola ki sake ba honte ba so travailler bien ti yawan de so apporter mal croissance wana za isa ko arriver na ko apporter ba crise économique na kata mboka. Ouais quelqu'un qui va par exemple na gouvernement il confond ba bengi bien public na ba bengi salaire naye to ba frais d'émission naye. C'est pour cela que le président de la République a été ressuscité au Ezalara déjà mais négligé au ba bengi inspection générale des finances avec Gilles Alingete. OK. Au moni lelo et comme que ça là qui quand même à partir ya ba patrouille au ba bengi financière qui est ça là au ba bengi croissance ya budget na biso donc et longue na 4 milliards et commune na 16 milliards. OK. Toi qui OK au songi na kati ya IDPS na sima ya 4 ans au sala ki libanda ndenge au songi na kati ya IDPS. Musala na yo kuna na kati ya IDPS et ko sala nini pe au songi ko na nini. D'abord ko lo bana songi na IDPS déjà là je dirais non question tuni na question tuni. Non, Nazala qui n'a eu des pèses, Nazala n'a eu des pèses. J'ai commencé les pèses à l'âge de Oba Bengi 16 ans. C'est-à-dire, on a la violence statue à des pèses. Pour n'a eu des pèses, par contre, on a âge à maturité 18 ans. Na banda eu des pèses, 16 ans. J'ai été élevé par Tien Tshisekedi comme membre président de sa partie. Avec mission à conquérir le pouvoir et conserver en haut jusqu'à l'avènement de Jésus. Mais le problème est là, il y a eu un problème dans la partie parti où il y a en français divergence des idées dans la famille. Moi, je voyais que quand, comme nous avons pris le pouvoir, on ne devait pas faire mariage Morona Batou, il y a FCC, mariage FCC cash. Mais Moutoua Banda qui dirigeait parti dans un moment parce que Fatih n'est plus au Babengi en exercice comme président de l'UDPS. Mais il est notre autorité morale. C'était M. Jean-Marc Kabound. Et Jean-Marc Kabound a eu à me torturer pendant Renaé. Il s'est comporté dans Oba Bengi à Hitler. Il a voulu changer principe au tisserie d'Atiké la IDPS. Il y a pyramide renversée, c'est-à-dire bah, combattant l'Ikolo, bah, cadre nassé. Il y a l'Ina qui a renversé. L'Ina a l'obina télémélé. Il y a un de Monaka. Il y a eu Oba Bengi. Ma petit-fils n'a limité, ma bengani n'a limité. Ça fait 4 ans. Population, ma lobby, qui est, ma bengani qui est au déstabilisé le secrétaire général Augustin Kabouya. Non, non, le secrétaire Augustin Kabouya, c'est mon compagnon d'élite, on a collimité parce que j'ai été au Babengi directeur à la campagne Naye. Vous comprenez, dans l'élection en 2018. Malheureusement, Dieu n'avait pas permis parce que tout pouvoir vient de Dieu. Okay. Et lui-même aussi avait des ambitions. Il y a aussi qu'on a parti dans le cadre qui est tout garder flambeau. Mais Makelele Yalaki,
quand Kabund voulait d'abord, il a tenté à Runga à Longola comme secrétaire national. Je suis le dernier secrétaire national au Tshisekedi le père à Noma, charge à mobilisation. Un secrétaire national à la mobilisation, où la mobilisation va tout péter au pouvoir. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et j'ai résisté à Kabund, ça fait 4 ans où j'ai été isolé, interdit à Okota en permanence. Mais le chef de l'État nous a regardé quand M. Kabund est allé aux abois, il a perdu la vitesse, le chef de l'État était obligé à rétablir l'ordre. Il a ordonné à Obabengi, secrétaire général Augustin Kabuya, à Sangissa, Belema Nyonso. Quand le secrétaire général a eu le message, Joana, nga de mon côté, na sala ki message à soutien la secrétaire générale et le secrétaire général aya me recevoir. Nous avons eu à discuter pe à expliquer nga ba ligne oyo de conduite. Donc na minute na de pense ni l'église catholique papa za moko na masu a pe na bateau capitaine na moko na yi de pense mon konzeza Augustin Kabuya oyo ngai wana kundimia ngai na ba baptiseur tshisekediste Tokobanda, tous obligés à soutenir yé, na ba réflexion pour toi arriver, y a quoi atteindre objectif, na biso yéza y a quoi gagner bien l'élection. Donc y a na sala qui 4 ans, on a quota permanence té, j'ai repris les activités, donc je suis derrière Augustin Kabuya pour faire au babengi la gestion quotidienne. C'est quoi le parti présidentiel? Au songi na kati ya parti. D'abord, relation à la maman Olive Lembe pour oui, à soi qui d'ailleurs en charge notamment aux soi qui a ouais, d'abord, on a continué à remercier Ezao Babengi, Nzambende, à Salakike, à toucher mon thème à madame Kabila pour Akoka Kosunganga. Na calcul à Batoua Mokili, maman Olive Lembe ne pouvait pas m'aider. Après, il est dégâté. Il y a une guerre en Ndengezalaki, une bombe salon à Vandorbeta en direction de Kindakati. Il y a eu des gens comme Benjamin Kabund, l'air de la Boukani, pour la qui est éliminé à Ozasuna Matite. Et Dieu a vu que la Vandorbeta est la cause juste. A qui a touché Moutema, il y a Moutou, 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 il y a parce que c'est une relation humanitaire, au moment je suis encore sous convalescence. Et une relation humanitaire, les gens qui n'ont aide humanitaire, il y a maman Livlembe, même les gens qui ont un mauvais garçon, garçon des problèmes. Vous comprenez? Donc, Arto maman Livasala, quand nous avons très bien, donc, la minute où la relation va continuer, mais je tiens à signaler aux gens, relation à maman Oliveza ou à Bengi humanitaire, mais au Italie, la polémique n'a pas sur la politique, divergence politique n'a qu'un, il y a FCC et qu'on continue. C'est-à-dire qu'on continue parce que c'est, on est dans une vie où Bengi vie politique. Et donc, ça n'engage pas ou à Bengi action humanitaire à maman Olive. Ok, et tant que dernier mobilisateur du Sphinx Etienne Tshisekedi, Dengenin oso compter qu'on faire gagner le président Félix Antoine Tshisekedi un deuxième mandat. Au compter comment Fati peut gagner son deuxième mandat. D'abord, pour votre information, nous avons eu à travailler fort pour Tokoma. J'étais devenu musicien. Naemba ba misia ba boya oyembe la biso naemba kutu nzemba ah bon? Campagne ya Fati même na ba demi ton c'est-à-dire nani obabenga ba arranger azora ba problème mingi parce qu'on devait chanter quand même ngamo na zalaka obabengi agent de ya récolte ya ba fond ya 1 dollar pour Fati et à part ça na salaga émission où la plus célèbre pendant campagne candidat favori. On a vendu qu'on vendre image à vous président de la République. Ça c'était en 2018. Mais maintenant comment nous devons arriver y a quoi faire sa président deuxième mandat. Le secrétaire général Augustin Kabuya est en train de faire un travail à Salaki Obabenga qui descente Obabengi avec succès na Katanga au Batumisuba mon année tes abats domaines réservés.
à Sala qui va plein, à Kendali dans la zone difficile, les arbres à la province orientale. Déjà, pour battre Baloubara, qui est dépêché, c'est ça, à Rab à plein, à Kinipé, à Kassai. À Kendali, on va bien une bande, on a formé un grand bande. Mais le Kolanga naé, nous allons beaucoup plus travailler dans l'idée que tout organiser vraiment au Babengi course au Tozo Kende. Donc nous allons encore une sabat stratégie nous sauter, mais netinga naza déjà na structure nangai ABT, malgré que j'ai serré dans la liste au Babengi y a eu des pèses ndenge na zongi. Ndenge tokokota na kati babengi armée des bâtisseurs tisegediste, c'est-à-dire tokokota na kati a parti pour to sélectionner ba fort, parce que cette fois-ci toza obligé to pe sa président babengi majorité sur 500 députés biso y depes toza atana na 300 et ba lié na biso baza atana na 100, c'est-à-dire biso tokokota na kati a parti, nous allons sélectionner les forts. Pour tout et bandingé ni vous allez qui n'a qu'à y parti la partie vous allez qui n'a qu'à parti IDPS donc vous allez qui bas opposant les lobes comme parti au pouvoir comment dernier aux autres juger 5 ans à pouvoir et à Félix Antoine Tshisekedi les 5 ans à Félix Tshisekedi, est-ce que ça qui 5 ans m'ont réussi cinq pour te gagner la bilanté, est-ce que ça qui 5 ans m'ont réussi 5 ans c'est et coquine à noté, mais malgré au Babengi le vent j'ai marré, on n'avait pas une majorité na au Babengi parlement na sénat, le président de la république a maintenant au Babengi une majorité na sénat, et c'est le mot salama un peu exceptionnel dans le monde, et salama rarement renversé la majorité en court mandat, vous en comprenez 5 ans au et à présent Félix moi ko banga o babengi mbongo l'état et koti moi mouke vous comprenez donc batu bazo mona bao salo babengi abuki pompe essence au lieu ba bata kanga et bakangi et pété, donc le problème est dit que na 5 ans quand même il on a état de droit zéro prisonnier politique. Donc, à part Batumisusu, Basala, Artu, Isaïa, Badeli, des droits communs, au Bazan, à Bakacho, mais Baron n'a pas commis sa mot politique. Donc, c'est ça, on a encore le 5 ans, pour Nangaï, on a quand même marqué, au Babengi, empreinte, Nabiso, il y a le peuple d'abord. Nakati, il y a opinion, ma personnalité politique, Misusu, Bazo, Lobake, bilan, il y a Fati, et ça négatif, notamment Maman Olive, l'MBP. Parce que j'ai dit, bilan y a Fati, échec sur échec. Malouba Mpokaï. Ouais, bilan y a Fati, pour Nabi Souéza, ou largement positif. Pe, na Oloba na Batou, nous sommes dans une démocratie. Tous en a récité au bilan à la carte positif. Et nous ne sommes pas au Babé dans un pays de monopartisme, au bilan à la carte positif. Nous sommes la République démocratique du Congo. Oh, des fois, oh, une fois, dans le cas, le président Honoré Kabila Lobake, des fois, mes collègues présidents me demandent pourquoi, comment, quand, pourquoi beaucoup de télévisions chez vous et on vous critique. Je leur ai répondu tout simplement, c'est ça, ce qu'on appelle la RDC. Donc, le premier message, la minute on dit tout ça, point de vue, il y a Madame Olive Lembe Kabila, les points de vue naïe, où ils ont engagé Kakaye. C'est-à-dire, ils ont engagé Kakaye parce que tout ça la démocratie. Mais pour la fils Mkoko, bilan positif, gratuité de l'enseignement, où 6 millions d'enfants. Crise économique n'a pas sa poca, laissez-moi un peu décortiquer. Gratuité de l'enseignement, banaba pauvre, baleine, impossibilité, yakoye bata, ito, oto, un. Le lobazoye bango, gratuité wana ezalaka constitutionnel. Et pendant le régime ou le cas, ezalaka ka test ya pamba. Mais biso to rendre en pratique. Tolongwe wana, bakuluno bandai koboma bango na ou babengi opération du kofi. Le lobakomi productif.
bauti ko produit masango o ba fonctionner ba sombi na 18 000 francs tolongwe wana situation o ya Congo tolongwe na 4 milliards to comme na 15 milliards ya budget tolongwe wana Congo ya lagi pays o ba benga ki pays échec c'est-à-dire pays mo l'échec il est tindi le lo Congo comme o ba benga pays solution makambuya nandenge ke guerre ya est le lo communauté internationale pe et comme koloba langage à Congo o ezake 1-23 wana baza rien ki bana misala Paul Kagame l'agresseur c'est le bandit Paul Kagame tolongwe wana ozo comprendre côté bilan na biso côté wana eza positif na ba domaine sou wana esinga mkomso ya tout ça ba bengi le bilan donc point de vue à madame Olive Lembe ezo engagé kakaye c'est une citoyenne à quoi qu'on émettre point de vue naé mais na robeta c'était moi boye na olinga mikolo comme ma batu moi likolo c'est-à-dire dire bilan positif ou négatif ça ne sert à rien parce que yo muto zolo ba bilan nous a peuplété le bilan sera juste ça va même si ndeti ngana ça ou même ça on a ça reporter ngana même li bango office mkoko a bango fait ici na maman journaliste même les biso pe au biso pe tokolo ba et pas fait mkoko maman journaliste ce le bilan sera jugé négatif ou positif na résultat ou ko bima na belle action à 2023 ça kalo c'est ça là kana et ça là kana 18 000 francs à l'époque il y a le président Kabila lelo le président honoraire Kabila lelo est commis na 60 000. Mais à cette époque, il n'y avait pas la guerre de l'Ukraine. Au céréales, ma camounion sort et où t'abouna. Na momo batouba ou le baguette de dollars et ma la guerre de l'Ukraine, ça quel impact avec nous? Ça quel l'Ukraine et la Russie, ce sont des pays où ça a la production et ma cassine na ou babing ba domaine et belé. Ça a affecté même l'Europe. Les lots batoubaro ba ke dollars et mati mais batoubaro ba te même o ba bengi euro et ça libesse il y a bascule batoubaro au moins batoubaro ça o ba bengi ba politique à lupang ba ça la jamais o ba bengi ba pour quand il veut faire une bonne politique il faut être international vous savez il faut faire ce qu'on appelle l'étude comparative il y a crise mondiale mais le gouvernement des warriors ils ont arrivé quand même il y a qu'on résister na au babengi savoir faire il y a ba ministre neti ba Aimé Bondi ba Nicolas Kazadi vous comprenez ils ont arrivé quand même il y a qu'on résister na au babengi une bonne gestion côté ba minéré au ministre Antoinette Samba ba omeka kosala donc la crise est mondiale. Et la crise mondiale, nous avons hérité quoi? L'huile de palme, oh toi là, le premier producteur, KO. Sucre, oh la richesse, Yakiba, Kwilungongo, KO. Coton, cacao, KO. Et on est en train encore de nous faire, oh bah, une guerre, la minerai na est. Parce que, je dois vous dire, au moins, le Congo, nous avons vendu au Tamboula, pas poche na yo achai ba minera mo ki le toboka na Congo. Nous avons pris des 100 et 2 minerais na Mboko. C'est pour cela qu'on est en train de nous faire la guerre. Vous comprenez? C'est pour cela que ça déstabilise un peu Wabengi. Ma canisina biso ya ko sala le peuple d'abord, au toya ki na on a pouvoir. Mais tozo assiré na peuple, ba pe sa biso deuxième mandat. Deuxième mandat wana nous allons multiplier les efforts parce que le peuple d'abord au Tolobay na bango ils ont babengi baguette magique te étant que tu sais qu'il existe ndeni on peut pour compter qu'on orienter président Félix Antoine Tshisekedi pour s'il passe pour un deuxième mandat si le président passe na babengi deuxième mandat na e na ko singaye beaucoup plus à côté ça au babengi rigueur abakisha rigueur pe ba mission ya gouvernement ou ya konomé ou nazo benga gouvernement de la nouvelle espérance ezala bien défini pe konométré ce qui le chef de gouvernement arrivé ko sala ngote par exemple pendant 8 mois ou bien pendant une année
a hésité, a tergiversé pour la remanier le gouvernement. Parce que dans le résultat, il y a un deuxième mandat que le peuple va nous donner encore confiance dans l'Afrique du Sud si le mandat termine à une saison. Vous comprenez? Donc, nous serons là pour soutenir le président Félix Tshisekedi. Nous ne serons pas là car rapport à Oloba Fatih Béton comme des applaudisseurs. Qui dialogue le nom. Donc nous serons là pour dire au président au moins une des choses qu'il n'est papa le bail boité qu'il n'est pas le peuple d'abord ouais. Notre processus électoral au PPRD a boycotté un enrôlement et puis la mouka et le président Fayulu a dénoncé une planification et une tricherie pour la macambo et le processus électoral d'abord on a déjà lancé la joie carte d'électeur nanga yango yo déjà vous avez rempli votre devoir civique ouais carte d'électeur nanga yango yo moi malheureusement je n'ai pas encore mais je vais le faire on a prolongé le premier ça je n'ai pas voulu qu'aucun des magasins n'a candidat député na Moamba circonscription il y a Moamba qui s'est sous l'emba matete ngaba limité na boya ko gena ba fanfare. Donc, je suis allé dans le silence parce que j'avais des problèmes avec mon parti. C'est le parti qui va valider les candidatures. Mais na minute où on a assuré le processus électoral, déjà, il y a un peu de carte. Bande on a perdu le lobby qui va aucun été. Bon, l'histoire se répète. Biso na 2006, to boyara aucun été. Mais tu vois qu'au babengi ba choc et belé. Je dois vous dire quelque chose. Na 2006 là tu vois au kende bande on a ça peuple de babo qui l'a absolu jetomo que la politique des chaises vides ne paye pas. C'est l'ancienne politique. Les lobbies se mettent aux ongles c'est le bon gars qui ah bozo boy au kende. Bon empêcher non bah tu vas voir carte d'électeur ou quoi permettre bah on va ça la bah transaction mais bien au bois bah cadre la peuple de bois on a bah passeport rouge. Au Bosa, la transaction, il y a un million, il y a un besoin de pendant 18 ans. Et à part ça, les sous, na minute où bango bazoboya, babo yoko kende. Science politique peut changer, tout le monde sait que la poterie des chaises vides ne paye pas. Mais na ko bete le mole, biso to boya o kende. Ce qui to zala ka ma kasite, enraciné te meyi de pe se koufa. Tu sais que dit le père à l'oba, ba député nyo soya rassemblement plateforme na biso ba kotate. Webi ke Fayulu ala na rassemblement kota vient na Frank Diongo kota ba pesa raison ki ba okendo bunda na les institutions. Muta kota te ka Félix Tshisekedi comme député. Dans la minute bango wana balobi ba okay élection te oki déjà ministre soki ya justice ya kala alongwe Boshaba Longwa et Union Sacrée, Koto Jani Mabunda, Pa Longwe, vous comprenez? Okay. Et ça va conséquence, il y a poti de chaises vides. Vous comprenez? Il y a un débiso, va s'enrôler massivement pour que les bandes va contrôler le pouvoir. Pour la mambo, il y a le président de nuit, Martin Fayulu, m'a dit Martin Fadenhouse, Oroloba qui est planification et la tricherie. Pour au contrecarrer tricherie. Mais tu vivras en 2018, il a été peuple Balobi qui a été triché. Peuple Yawapi. Peuple RDC Balobi qui a monté Fayulu a été triché dans le niveau de CENI. Tala, au moins, il y a eu le Romsou Batouaninga Baya Nango. CENI, il y a là, il y a eu des pestes. Il y a là, il y a eu des pestes. Soko poli des fois il faut aller élégant ya on dit ma défaite oui bande ni on se ressourcer pour on se relancer le problème qu'il y a matin fois non moment où quand un politicien a constaté qu'il y a une planification il y a tricherie à ça la ranine à zoako ba bengi ba précaution donc à cause où ba bengi ba témoin na ba bureau ni on se vote expert na bango on comprend à cause où ba bengi centre de compilation na ye na siège na ye à parti. Venir dire non. Vous savez, Kadima n'est pas de l'UDPS. Les gens ont vu Kadima en contradiction il y a quelques jours. Il y a un secrétaire Patricien Seya, qui a délégué na biso na CENI. Comment ce Kadima a été l'UDPS pour se contredire na honorable Patricien Seya? C'est que prouve que Kadima a été l'UDPS. Vous comprenez?
politiciens, ils se sont pas préparés dans l'élection. Biso IDPS, tu n'as pas même machine, biso tu as usine ya politique. Nous nous sommes préparés aux élections. Karaté, le secrétaire général Augustin Kabuya, na président ya Obabengi, commission électorale du parti na biso Jacquemain Chabani, ba ko lancer Obabengi séminaire ya formation ya observateur en matière des élections. C'est-à-dire là ba ko lancer ngo, ça sera pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes prêts pour les élections. Donc nous nous sommes prêts pour les élections. Bato bazo linga ba bo élection, ceux qui voient na bango et arriver pour y a ko s'imposer, ba e ba ke bango de ba za ba auteur compositeur ya o ba bengi glissement et le président restera en fonction conformément à l'article 70. Quand il y a pas élection, il reste jusqu'à ce qu'il y aura élection. Vous avez entendu Fils Moukoko, l'un des combattants de l'IDPS, ils sont prêts pour les élections et il soutient l'élection et il appuie le président de la République. Vraiment, nous, c'était un réel plaisir d'être avec Monsieur Fils Moukoko, l'un des combattants de l'IDPS. Monsieur Fils Moukoko, on a la question de Souka Ofunatunayo. Question, on a, et ça, on a autre question à politique Ofunatunayo. Avec toute sincérité, supposons que vous êtes Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, nakati a son serment encore rien que plus mal. Moi, comme madame Noronha, il faut se poser ses amis. Mon amant d'abord, moi, comme Malibo, son ami, c'est la meilleure espèce mon président. Ok, d'accord. Vous avez entendu mon respect, monsieur le président. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était un réel plaisir d'être avec Monsieur Fils Moukoko, l'un des combattants de l'IDPS. Il a été gravement blessé, mais gloire à Dieu, vous l'avez dit. Merci Monsieur Fils Moukoko, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission reporter. Maman Moumimi Sango, Nenge Tolbaki Nebandeli, Azalaki, Lelonan Deko, Fils Moukoko. Avant de se quitter pour cette émission, Monsieur Fils Moukoko, un mot de la fin. Moi de la fin, on a un plaisir de na yambiwa na temple de la vérité pour la première fois. Na koyebisa na batu que les gardiens du temple de la démocratie, des retours déjà limités, respect na ordre établi par le président de la le président de l'UDPS, notre autorité morale Fati. Donc tout pouvoir vient de Dieu, respect na Augustin Kabuya mwana Bouté. On est là pour les soutenir. Ndenge Aaron Alaï Pembe ni à Moïse pour les soutenir. Je lance déjà appel Moro Nabao Babengi ba mouvement fatiste Nyonso, pe ba mouvement tisekediste Nyonso, ba kouka ouzoa contact nanga, nana numéro nanga ouéza plus 243-85-084-65-55, plus 243-85-084-65-55, et ça n'a moins ma solo Moro Bouye. Il faut tout préparer ensemble parce que c'est dans l'unité que nous allons vaincre et nous allons conserver le pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Parole de Fils Moukoko, c'est dans l'unité que nous allons vaincre. Merci pour les téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie notamment les boss Zéphirin Nyanga, Balobi Régis Deso. Vraiment, merci beaucoup, papa. Et je remercie notamment toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés dans cette émission. Je remercie El Capo. Je remercie Grâce et Fessola pour le soutien. Tout le monde qui me soutient, restez branchés sur ces programmes. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.